Ondertussen zijn er op onze planeet alleen al ongeveer 1 miljard televisiezenders. En telkens als je denkt van dit programma is er zo over, dan is er een flurik aan de andere kant van de wereld die denkt ik kan er nog een tandje bij steken, want de televisie stopt nooit. Onze wijsmakers stellen elk een televisiefragment voor. En waar hebben jullie het deze week gaan zoeken? Wel Bart, we zijn deze week gaan grasduinen in de reality-reeksen. En we hebben 2 fantastische voorbeelden gevonden waarin we zien hoe televisiemakers echt een stapje te ver gaan. En hoe maakte nu een goede reality-reeks? Namelijk gecast mensen, waar soms hier en daar een hoek af is. En het, de eerste reeks die we gaan bekijken is een Franse reeks. Die gaat over extreme liefde. En die heet Je veux un enfant. En dat bestaat al een paar jaar. En dat gaat over mensen die absoluut een kind willen, maar door omstandigheden gaat dat niet. En via het programma gaan ze op zoek naar een specifieke donor. Pour beaucoup de femmes, un enfant c'est souvent un rêve lointain et inaccessible. C'est également le cas pour Catherine et Cindy. Avoir un enfant, ce serait vraiment quelque chose de super, quoi. Ça fait longtemps qu'on est ensemble et c'est comme concrétiser en fait notre amour. On y pense depuis longtemps, mais c'est pas facile. On sait qu'on aura plus de difficultés peut-être qu'un couple hétéro, mais quand je vois comment les couples hétéros s'occupent de leur enfant, franchement, nous on a plein d'amour à donner, quoi. Laurence aussi ne peut plus avoir d'enfant dû à des circonstances imprévisibles. Ah oui, oui, on manque beaucoup. Bon voilà, moi je suis issue d'une famille super nombreuse, on était 9. Alors j'aurais bien voulu avoir plein d'enfants, mais enfin voilà. Laurence a déjà 2 enfants magnifiques, mais elle voudrait vraiment un 3e. Bon, à la base je voulais une famille nombreuse, mais là je pensais pas que ce serait encore possible, vu que je suis veuve, voilà. Là maintenant, je peux pas passer à côté d'une occasion pareille. C'est sûr, puis en plus si les deux là veulent un petit frère, autant que ce soit Johnny, hein le gars? Bien sûr. Ah, voilà. Die 3 vrouwen gaan nu strijden voor het donorschap, of laten we een koe noemen, het zaad van een zekere Johnny. Want er zijn 5 reeksen van gemaakt en dit was een speciale reeks, dat was de laatste reeks. En toen ging het over zaad van een heel bekende Fransman, een zekere Johnny. Bienvenue à cette édition unique, Je veux un enfant, édition Johnny Hallyday. Johnny Hallyday est une grande star qui a vendu plus de 100 millions de disques, il a des millions de fans. Mais Johnny est avant tout un homme avec un grand cœur, surtout quand il s'agit d'enfants. Il a lui-même adopté 2 enfants et il connaît donc comme personne le sort de nos candidats. Aujourd'hui, la situation est tout autre. Grâce aux technologies modernes, les femmes pour qui c'est nécessaire peuvent en toute sécurité et de façon efficace devenir fertiles avec une chance de réussite de 90%. Raison suffisante pour Johnny Hallyday de leur venir en aide. Des gens vrais, des gens sains, des gens qui pensent comme moi. On se complique la vie toujours, mais la vie peut être beaucoup plus simple. Restez avec nous pour cette émission spéciale de Je veux un enfant, édition Johnny Hallyday. Ben, quand je rentre ici, je rentre, je dis bonjour Johnny, ça va mon petit chéri? Il répond un peu dans mon cœur, quoi. Quand on a entendu que c'était l'édition de Johnny Hallyday, émission spéciale, on s'est dit waouh. Ça on n'y a pas cru, quoi. Il a un charisme incroyable. C'est quand même c'est Johnny, quoi. C'est un grand monsieur, c'est un grand monsieur. Ouais. J'étais à l'enregistrement Taratata et j'ai pu reprendre ça. Et il a bu dedans, hein, avec sa bouche. C'est super important pour moi. J'ai ça depuis 3-4 ans maintenant. 4 ans. Dus die geweldige Johnny Hallyday die stelt zijn zaad ter beschikking en de kandidaten zijn bekend en de strijd barst los. En uiteindelijk zijn het het lesbische koppel die bevrucht zullen worden. En ze volgen die dan nog enkele maanden tijdens de zwangerschap. En dan op een gegeven moment, ja, le moment suprême. Et alors? C'est magnifique. C'est bien passé. Catherine aussi va bien. On est maman. On est maman. Pour remercier leur donneur Johnny, Catherine et Cindy ont appelé leur fille Jenny. Hallo, hallo, Johnny Hallyday.